On est mal et même maudit. Il faut du Harry. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare, c'est sur la voie de gauche que je vais rester calé. Guette comme mon mani, ça grille les feux rouges dans tout Paris. Je prends virage à gauche, je prends virage à droite, mais je ramène le produit, le produit. Il y a des gens qui repartent en Belgique. Elle m'a dit, elle est venue que 3 jours et maintenant elle est repartie en vacances. Donc demain quoi. Ok. Ok. Attends, on m'appelle. Allô? Allô? Ouais, c'est qui? Ah, t'as supprimé mon numéro 1. Bobby? Mais oui. Quoi? Ça va? Je te fais une petite surprise. Comment ça? T'es où là? Je suis au travail là, mais attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, tu m'appelles vraiment quand j'ai une urgence. Tu travailles où? Au concessé moto. Pourquoi? Ok. Ben, j'arrive. Mais comment ça t'arrives? T'es plus au Texas toi? Ça me fait plaisir de t'entendre, Selim. J'arrive. Attends, mais t'es pas au Texas? Comment ça t'arrives? Attends. Non, je crois qu'il est moche. Oh non, je crois qu'il est moche. Non! Non, ils sont moches! Oh non! Bobby? Ouais? Maman? Mm-hmm. Vous faites quoi là? Surprise! Salut! Mais comment ça, surprise? Ben, surprise, c'est une bonne surprise, non? Bah ouais, je suis content, mais vous faites quoi? Mm-hmm. Ah bah écoute. Maman, elle avait peur. Bah ouais, tu donnes pas de nouvelles, dis donc, Selim. Oui, Selim, on donne pas de nouvelles à maman. Hein? Même pas un petit SMS, même pas une petite lettre, même pas un petit mail? Bah je travaille! Ouais, tu travailles, dis donc. Putain, je suis tellement dégueu que vous avez mauvaise mine. Ah bah, je te rassure, ouais. On a la même, hein, c'est de famille, hein. Ouais. On a tous les trois la même tête, hein. Putain, mais attends, mais ça me choque, là, que vous soyez là, vous auriez dû me prévenir que vous veniez. Ah bah, écoute, non, ça aurait pas été une surprise, sinon. Et puis, tu réponds pas, de toute manière. Chose. Ça se voit, c'est une fille facile. Bam, j'avance. Tu vois, j'avance, tac, tac, tac. Et après, c'est pas... Tu sais pas, madame, elle fait quoi, la petite? Sa petite sœur, de 30 secondes. Mm-hmm. Elle vient... Elle joue au foot avec des mecs. Elle a mis un petit pont à un mec qui tombe amoureux direct, frère. Elle lui a mis un petit pont. J'ai dit non, c'est bon, c'est ma femme. C'est bon. Et frère, elle lui a mis un petit pont. Le mec, il était dans légendaire. Le banc. Non, légendaire. Bam, légendaire. Elle, tu te rappelles, le petit pont suivi d'un grand pont. J'ai dit non, c'est bon. À l'instant où j'ai vu le ballon glisser entre les jambes du mec, voilà. Je me suis dit là, Bachir, c'est trop tard. Oui. Ça y est, c'est trop tard pour lui. Ça, c'est ma meuf. Et après, après il y a Selim. Tu vois, il est un peu réservé, madame. Tu vois, il est un peu réservé et tout. Ouais. Après, Selim, il vient comme ça et tout. Il me dit ouais, Bachir et tout. Vas-y, va voir la petite. Moi, je vais m'occuper de celle avec le short. Il y va. Il est revenu en 2 heures. Hein. C'est elle qui parlait de mariage. J'étais choqué. Ah, ouais. Ah, oui, donc en même pas. Eh, c'est toi, Billy. C'est moi, y'a quoi? Putain, depuis le temps que je te cherche, on va se voir. T'as bientôt, fauché le tard le schéma là, c'est. Eh, on va se voir, t'es moi bientôt. On va se voir, t'es moi bientôt. Ah, dis ça, tu sors avec un cochon. Mais c'est le mec du père à la LSPD là? Eh, c'est la grosse merde, ouais. Eh, je suis passé officier, un peu de respect s'il vous plaît. Eh, mais raconte pas ta vie, je m'en bats les couilles. Addison, tu sors avec un putain de clochard, regarde, c'est faux Sizi, il a même pas de t-shirt, frère, même pas assez d'argent pour se payer un t-shirt. Et alors, t'es jaloux? Mais cousin, qu'est-ce que tu me parles, gros? Tes cheveux, c'est un paillasson là où j'ai suivi. Mais t'as, je t'ai pas mis, toi? Et arrête de faire l'intéressant devant ta gonzesse. Ouais, écoute, je t'ai laissé la parole, toi. T'es un bandeur. Ferme ta gueule, gros. T'es un bandeur de gadgets. T'as un masque pour cacher ta vieille gueule. Regarde, t'as un vendeur de gadgets et en plus de ça, ma golden elle est en train de charger. Là, ma patience elle a. Vas-y, main golden. Ma golden elle va partir. Mais t'as main golden. Main golden. T'as de la chance, c'est à mes refs qui arrivent. Main golden. Tu mets pas de golden. Vas-y, bonjour, mesdames et messieurs. Commandant. La bagarre. Amine, c'est par moi s'il vous plaît. Je vais lui mettre une golden. Vas-y, tape. S'il vous plaît, ne le tapez pas, il allait m'aider à m'habiller. Battez-vous s'il vous plaît. Eh. Bûche! Voilà! Non, voilà. Voilà. Ça, c'est un homme! Voilà, c'est bon, 2 secondes! C'est bon! J'ai fait double golden! Et toi, tu. Pardon, dis ça! Excuse-moi, non! Non! Voilà. Bûche! Ah, tu frappes Mason! Oh, monsieur, non, là, c'est trop là! Wesh, ça y est! Mason, frérot, ça va? C'est qui le paillasson là, par contre? Moi, c'est ça, je vais te dire! Pékin Express, c'est vraiment un rêve que j'ai le fait depuis que j'ai petit. Ça fait un bail, hein. C'est depuis qu'on est... Parce qu'en fait, on a grandi ensemble.
Et voilà, je pense qu'on est des personnages atypiques qui pouvons apporter un plus à Pékin Express. Dans le sens où, voilà, on est trop fort, frère. Mais... Ok, et vous ? Ben, en gros, on est un binôme où lui... On a un binôme, quand j'ai un truc, je le dis, en fait, moi, quand j'ai un truc, je le dis. Voilà, et en fait, lui, on le fait ensemble parce qu'on... Ok, fait comme des frères. Attends, mais laisse-moi répondre, wesh ! Oh ! Putain, tu me poses une question, tu me coupes la parole ! Ouais. Oh ! Bref, pardon. En gros, lui, c'est un peu le mec c'est un peu le mec nerveux, et moi, je suis le mec calme, en général, dans le binôme. Donc, du coup, on se complète, quoi. Vous... Ok, ok. Du coup. Demande, descendez en bas, voir ce qui se passe. Vas-y, moi je regarde. On peut pas. Vas-y, Biggie, arrête. Parce qu'il y a des mecs qui viennent nous chercher. Arrête. Mets-toi correctement, Biggie. Oh, il y a Gizmo. Je vais tirer sur tout le monde. Ouais, arrête, tire. T'as pas de couilles. C'est un foiri, t'es un foiri, t'es bizarre. Va t'arracher tes cheveux là, moi, t'en fous, moi. Fais attention, c'est un foiri, lui, il est un foiri. Dis-lui, tu vas y arracher ça. Ah, c'est trop, c'est trop. Attention. Patate-le là, patate son crâne. Patate-le, Les petits Harry comme toi, j'en croise tous les jours, allez dégage. Les gars, c'est bon, s'il vous plaît, calmez-vous. Fermez-la. Oh, le surveillant de mes couilles là, tu vas vite. Ok, maman, je la ferme. Merci, j'aime bien le respect. Fermez-la là, moi, s'il vous plaît. Shit. Fume un stick là, cool. Ouais, Tyler. Pote. $600, vous participez pas à Flash Pékin Express et vous nous laissez. Non, ben on peut pas gagner, man. On va gagner des places. Putain. Mais c'est bien, on se casse, ça met trop de temps, la tête de Wam. Ok, participe. Moi je veux participer, moi. Bah, yes, on a gagné une place. Je veux participer, mais ça fout quoi là en fait? C'est bon, t'es premier de toute façon, t'as juste à attendre, tranquille. Si vous me laissez votre place, on est pris, $1000, tout de suite. Quoi? On est prêt? Ouais, on est pris. On est prêt? On est prêt? Oui, oui, vous êtes pris, vas-y, bouge. S'il vous plaît. Bouge ton gros crâne. Oh, Billy. La vie de ma mère, on est pris avec Julien. Allez. Oh, l'eau. Tu fais quoi, les. Ok, non, je regardais juste vite. Pardon. Ça partit comme 46. Piou, piou. Pareil, c'est comme mon frère. Voilà. Sauf que moi j'étais familier, il est pas là. Il est où le commandant? Vite, faut qu'on le prouve. Il est à cause du casier. C'est un fils de pute, il va te soulever après. Déjà que t'arrives pas à te battre, c'est obligé, je suis obligé. Oh non, il est con, mais non. Allo. Allo, petite salope. Oh, mais je vais non. te niquer ta mère, Bilou. Comment tu me parles? T'as cru que c'était ton pote ou quoi? Non, excuse-moi, je parlais à mon collègue juste à côté là. Ah, t'es télé. Salope de Polios. Hey, écoute-moi. Bon, t'es où ta grand-mère? Tu voulais que je vienne pourquoi aujourd'hui? Hein? Parce que je t'ai dit, j'avais des amendes à régler et je voulais m'arranger avec toi vu que t'es intelligent. Bah, peut-être que toi t'auras une solution pour moi. Viens devant le poste de commissariat et viens. Mais je vais pas venir au poste de commissariat, viens au barrio. T'es sérieux? Ouais. Moi je vais aller chez le poste, t'es sérieux? T'es con ou quoi? Écoute, la piste toi. Écoute, si t'es un fils de pute, je vais faire le fils de pute avec toi et je vais jamais venir, tu m'as compris? Non mais écoute, sur la Santa Maria, arrête de croire qu'il y a tout le temps des trucs de travers. Là je te parle sérieusement, là c'est pour du business. Okay. Allez ta grand-mère, tu crois que t'es pas un poyos comme les autres toi? Attends, tu vas devenir vagos toi là, putain de ta mère, allez. Ah, yes, ramène ton petit cul de poyos ici, et avant que je te nique ta mère et je te retrouve et je te décapite, c'est bon. Vas-y, j'arrive. Dans combien de temps t'arrives? Non mais dis pas là. Ça toi aussi, mais t'es con, vas-y. Non mais c'est pas allez, possible. Accélère. Mexen, désolé, faut qu'on y aille maintenant là. Vas-y, t'en bouge pas toi, je vais te régler ton problème maintenant. Attends, viens, on bouge. Non, le commandant il va nous voir. Allô? 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 Ouais, allô. Excuse-moi, Vertugo, c'est ça? Ouais.
Attends, viens, deux secondes, hein, deux secondes, comme ça, je vais mettre le haut-parleur. Viens, viens voir Billy, s'il te plaît. Ouais. Viens voir. Dis-moi, tu veux quoi, là, mon pote Billy? Ben non, je veux qu'il vienne au barrio, vite fait. Pourquoi tu veux qu'il vienne? Ben pour négocier des amendes. Négocier des amendes? Ouais. Et pourquoi tu veux qu'il négocie des amendes? Ben parce que c'est Poyas, c'est le seul contact que j'ai en Poyas. Et alors? Eh mais t'es qui toi? Eh ferme ta gueule, t'as cru que c'était qui? Eh nique ta grand-mère, t'es qui toi, hijo de puta? C'est un cadet qui veut négocier, t'as cru que c'était un ripou ou quoi? Alors écoute-moi bien, t'as fait le con, t'assumes, tu payes tes amendes. Ensuite, je vais te le redire, arrête de le menacer, arrête de croire que c'est ta petite salope à l'emmener au barrio chez toi, parce que je vais te le dire, t'es en train de parler à un flic, et t'es en train d'appeler un flic et tu menaces. Alors soit tu vas prendre le tarif de ta vie quand on va t'en descendre dans ton quartier, ferme ta gueule, j'ai pas fini. Ferme ta putain de gueule là, et nique ta mère, allez, nique ta mère. Et bah baisse ta grand-mère maintenant, voilà. Et maintenant, toi, tu supprimes son numéro de téléphone, et tu lui casses pas les couilles, et lui te casse pas les couilles. Et si te casse les couilles, je vais lui démarrer sa grand-mère. Attends. Quoi, fils de pute, espèce de poyos. Et fils de pute que t'es. Attends. Mais Zan, calme-toi, frérot. T'es trop le. T'es trop... Hey, vous êtes sur la messagerie de Vertugo. Veuillez laisser un message après le bip. Je vais te dire un truc. Bip. Salut, vous êtes sur la messagerie de. Je m'appelle un gros fils de pute. Je suis un réfé des vagos et je tourne au barrio des balas, sale pute. Écoute-moi bien, je t'ai déjà dit. Rappelle-le et refais des menaces à un flic. Je vais faire une descente avec un dossier au cul. Ta mère. Je vais vous faire le salut, c'est le goût. Et nique ta mère maintenant. Hey Mason, t'es le goat, je te salue mon frère. Attends. Je te salue. Arrête de me tenir la bite et arrête de m'appeler. Par contre, voilà. Je suis éclaté si c'est juste à Daron qui t'appelle depuis tout à l'heure. Je suis éclaté. De quoi? C'est vraiment Vertugo que t'appelais? C'est vraiment Vertugo, je crois que j'ai pas vu ça comme lui ou quoi? T'es vraiment le roi. Mais toi, va pas chez lui, je te préviens, hein. Je t'ai pas réglé ton problème pour ça. Vas-y, t'as raison, c'est merde mon ref. Problème. Putain, je viens de recevoir un message à toi. Dis-lui d'aller niquer sa mère, bloque-le. Il m'a dit à bientôt, vas-y, je lui dis niquer sa mère. Il a dit quoi? Il m'a dit à bientôt, je lui dis oh nique ta mère, j'ai fait comme tu m'as dit. Voilà, exactement, dis nique ta mère, t'es flic, porte tes couilles. Et il est pas content, la prochaine fois que tu le vois, tu sors ton taser, tu lui dis qu'est-ce qu'il y a maintenant, petite pute? Vas-y, il essaie de grave, te toucher, on lui baisse sa mère. Maintenant, tu vas t'inscrire à Pékin Express, tu vas arrêter de casser les couilles avec ton mec. Tu vas t'inscrire à Pékin Express, tu te qualifies et tu casses pas les couilles et demain tu participes avec nous. Vas-y, je vais aller m'inscrire de suite, frérot. Voilà. Mais ça, t'es trop. Hey, t'es mon parrain. J'ai vraiment, je vais te. Je te préviens, hey. Je sais que je te démonte si tu vas le voir. Non, t'inquiète, c'est finito. Je vais plus voir, t'inquiète. Voilà. Tu vas pas au quartier et on va lui baiser. Maintenant, grouille-toi qu'on essaie de te négocier le truc. T'es le patron et nous on croit pas trop à la chicha sous ballon. Tu te pars pour ta gamito, tu racontes que des pipos. En bois, tu bois trop.